Ça, c'est la grâce qui le fait. D'arriver à cet homme. Que la grâce parle à votre place. Mettez Dieu devant dans tout. Ayez dans Jean 3 et 30. Jean 3, verset 30. Jean 3, verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut que lui il croisse. Il faut que lui paraisse. Et que moi je diminue. On parle de gloire ici. Hein. Il parle de gloire. Que lui croisse. Moi je diminue. Jusqu'à ce que les gens sachent. Là où lui va. Il m'a amené aussi là-bas. Cette année. En tout. Tu es en train de dire. Que Dieu paraisse. Et que moi je diminue. Avant de savoir. Si tu vas paraître. Qu'il en soit ainsi pour toi. Au nom de Jésus. Ces enfants, tu veux voir la gloire. Tu veux voir la gloire. Sois un homme sincère, véridique. Jean 1, 14. Et la vérité en toi. Il faut te dire. Tu as trois côtés. Tu as beaucoup de filles. Cette année, dis-toi la vérité. Tu as volé les gens tellement. Mais connaissent. Non, tu n'es pas bien, tu dois entrer en toi. Prendre la décision. Papa, cette année, je veux aussi assez de bien. Si n'en est pas ainsi, tu mangeras même, toujours la même chose. Tu resteras toujours au même niveau. Mais si tu veux avancer, parfois il faut avoir la tête dure. C'est une question de décision. Se dit la vérité. C'est pas affaire du pasteur. On est pasteur Benyayo. Ah oh. Non. Unto. Toi-même. Tu vas avancer. Président. Ah ouais, mais dans vos gloire. Ce message souvent ça brise certains. Il dit ah maintenant cette gloire là, finalement. Je t'avais dit ce qui est la force d'abord. Crois en sa grâce. Na prendre décision yo. Et prends cette décision si. Quelque chose qui te réjouit. Bientôt tu verras ça comme de rien. C'est de quoi il parle. Mais l'ennemi le veut ou pas. Cette année, tu vas accéder à un autre niveau. Tu vas accéder à une nouvelle gloire. Au nom de Jésus. Où on parle de gloire, les ténèbres ne sont plus là-bas. Toutes ténèbres qui a couvert certaines choses. 2023, en 2023, ils vont se disperser. Ils vont quitter eux-mêmes. Les ténèbres ne demeurent plus. Les ténèbres t'ont couvert. Qui fait que là où on devait te voir, où on va demander après toi, on ne te cherche pas. Où on doit te faire des choses. On ne te voit pas. Tu es couvert de ténèbres. Mais cette année, la gloire dont on parle va ôter cette ténèbre sur toi. Ésaïe 60, verset 1 et 2. Vous connaissez très bien ça, Ésaïe 60, du verset 1 à 2. C'est quoi là, elle a résumé. Écoutez, tu comprendras, ça résume tout. Lève-toi. Lève-toi. D'abord, lève-toi.
Il a été trouvé que tu étais assis. Il a été trouvé que tu étais pas. Mais tu veux accéder à un autre niveau. Tu ne peux pas le faire étant assis. Tu ne peux plus être là-bas et puis le faire. Et dans tous les domaines, lève-toi. Ce que tu ne faisais pas cette année, dis-toi, tu vas le faire. Et c'est là que tu vas voir la grâce. C'est dans ça que tu vas voir la présence de Dieu. Lève-toi. Non, la nino peut m'aider. Assis, tu ne vas pas briller. Oh. Mais j'ai dit les filles à quelqu'un. Vous allez tous quitter là. Même il a dit les filles au coup il est à quelqu'un. Tous quitter là où vous êtes. Merci à Bereko. Sois éclairé. Sois éclairé. Mm-hmm. Car ta lumière arrive. Uh-huh. Et la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel se lève sur lève toi. Sur toi. Amen. Sur toi. Les dieux. Sur toi. Les dieux. Cette gloire n'attend que comment ta part pour se manifester. Toi, lève-toi seulement. Cette gloire va se resplendir sur ta vie. Elle a clin de Dieu. Toi, lève-toi. Fais juste ta part. Fais juste ta part. Lève-toi. Tu vas le voir. Il dit verset 2. Voici les ténèbres couvrent toute la terre. Toute la terre. Oui. Et l'obscurité les peuples. Oui. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Les gens seront couverts de ténèbres. Au travail, à la maison. Mais tu vois, avant la fin de la solution, le bord. Ils viendront chercher la solution. Ils solution, le bord. Ils viendront trouver solution. Ils viendront solution, le bord. Ils solution, le bord. Ils solution, le bord. Ils viendront trouver solution chez toi. Ne craignez pas tout ce que vous connaissez. Oui, parfois c'est eux qui nous font. Yo, et, la trop. Et tu dis, je dois changer. Et tu la conde. Je dois aussi trouver ma quelque chose. La Dieu, tu dois le faire. Et il le fait. Et là, ouais, non, le il va go le go faire go pour toi cette année. Bela, ouais, non, le pays, go go go. Il va le faire pour toi cette Bela, année. Ouais, non, le pays, go il go va go le go faire go pour go toi certainement cette année. Le Jésus Christ open comme. Au nom de Dieu. Quand il me le globe, à tout nous, il faut. Pourquoi il dit, il faut traverser ces choses. Gadomia. Parfois, nous, toi, fide, quand tu passes quelque part, va, toi, fide, avant d'aller quelque part, on, y en a un on est sage. Nous, toi, fide, quand tu es passé par quelque part, va, toi, fide, avant d'aller quelque part d'autre, on est très sage dans la vie. Beaucoup ici, demain, vous serez des enseignants. Vous serez des conseillers. Vous serez des accompagnateurs. Oui, mais vous devez d'abord avoir un bagage. C'est pourquoi il a laissé que tu traverses. Mais il est temps maintenant. Dis-toi ça toi-même. Encore une deuxième fois. Trois fois, dis-toi, il est temps. Vous priez. Pharaon lui-même a dit qu'il faisait souffrir Israël, qu'il oppressait Israël. Il dit, il ne va pas aller. Il ne va pas aller sur sa terre de promesse. Il ne sera jamais dans la paix. C'est comme ça des esprits travaillent dans ta vie. Jamais la gloire de Dieu ne va pas arriver. Qu'on ne va pas t'appeler Marie. Que tu n'auras jamais la paix. Que tu n'auras pas la paix. Que tu vas continuer cette promesse. Que tu ne vas pas compter par le ouais, il le fait. Voici, mais comme en ces jours, il s'est levé dans la vie d'Israël. Et il a dit, je sais pourquoi je l'ai laissé faire. Je sais pourquoi j'ai laissé Pharaon jusqu'alors. Avec pour intention que à son endurcissement fasse éclater ma gloire sur vous. Exode 14 verset 4. Nous sommes dans Exode 14 au verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire.
Qui comprend ce situation dit? De me coller toi. Toute situation que tu traverses. 2023. Où fait éclater la gloire de Dieu dans feront éclater la gloire de Dieu. C'est pourquoi il disait. Les gens n'ont qu'à te connaître. Ils n'ont qu'à savoir que c'était difficile. Que tu veux te marier mais que tu n'arrives pas. Que tu veux aller à Dubaï mais que tu n'arrives pas. Tu veux compter cet argent mais tu n'arrives pas. Que tu veux avoir une connexion mais en vain. Et très bientôt. Cher enfant, c'est bon que vous traversiez les choses. Après, c'est très agréable. Tu vas connaître la grandeur de Dieu. Ce que tu as traversé maintenant. Ne sois plus les larmes sur toi. Que ne sois plus des affections. Cette année, je vais te réjouir le cœur. Je vais te réjouir. Je vais te réjouir. Même quand la tour d'Ijoden a ouvert, je vais te donner la joie. Quand tu vas rentrer après dans une nouvelle gloire, là vous êtes là. Tu vas paralyser les pieds. Il y en a certains là-bas aussi. Toi aussi, tu vas les vaincre. Amen. Le Dieu qui t'aide à vaincre aussi. Va t'aider là-bas les vaincre aussi. Le au nom de Jésus. Si t'es venu, lève-toi, cher enfant, on va prier. Notre première requête. J'aimerais qu'on fasse une prière sincère. Que toi-même tu parles à Dieu. Au Seigneur, tu es où il faille. Mais ce soir, je veux que qu'il te tienne par les mains. Je veux rentrer dans une vraie gloire. Je veux voir sa gloire. Parle à ton papa. Parle-lui calmement. Je ne vais pas encore crier sur toi. Parle à toi-même, à ton Dieu d'abord. Est-ce que tu as besoin de son assistance? As-tu besoin de son assistance toute l'année? Parle-lui en ce moment. Sois sincère, demande-lui. As-tu besoin de son aide? Parle-lui. Il est fidèle. Il nous comprend. Plus que quiconque. Parle-lui. Et puis il me dit, ma quoi, tout vous là, moi mes années. Je veux te voir différent, cher enfant, parmi nous. Mais ce n'est pas chose aisée. Mais Dieu dit qu'il sera avec toi. Papa, papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin. Papa, là où je serai faible, deviens ma force. Je veux qu'on voie ta grandeur cette année. Parle-lui, Dieu. Ce temps est très précieux. Parce que c'est ici beaucoup de choses. Quand Dieu est avec toi, ça va arriver. Ça arrive. Parle-lui. Papa, me dit ma sonia. Je veux pouvoir prendre une décision. Je veux marcher avec toi. Je vais être à toi cette année. Je vais prendre une décision pour marcher avec toi. Tiens mes mains. Tiens ma main. Conduis-moi toute l'année. Deviens ma force au moment de faiblesse. Deviens ma force au moment de l'échec. Où il y a les ténèbres. Papa, deviens lumière pour moi, Seigneur. Papa, je veux te voir cette année. Je veux te trouver cette année. Je veux te trouver, Seigneur. Yes, Rana.
Fais silence une minute dans sa présence. Les tombeaux s'ouvrent d'elles-mêmes. Les tombeaux s'ouvrent d'eux-mêmes. Ils ont pensé que ça n'était fini, toi. Qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais cette nuit, il y a un mouvement dans le fond de la terre. Partout, ils ont lié ce qui est à toi. Amen. Pour toi, tu es différent. Pour toi, tu es différent. Tu cours dans les broussailles. Je prophétise à partir de toi que tu puisses un résumé sur ta destinée. Nous parlons de la gloire de Dieu. Les ténèbres ne peuvent plus prévaloir. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains comme un vainqueur. Tu as quelque chose que tu as à cœur maintenant. Et tu te demandes s'il peut le faire. On m'a dit de te dire que dans peu de temps, ça va se passer dans ta vie. 2023. Tu ne vas pas trop avancer. Toi qui es ici cette nuit. Toi qui m'écoutes, me suis. Et tu ne vas pas marcher trop longtemps. Le témoignage que tu n'as pas imaginé. C'est le témoignage qui vient dans ta vie. Des combats pour lesquels tu luttais. Tu ne vas plus lutter. Parce que quelque chose se passe cette nuit. Tu ne vas plus lutter. Après toi, on le dit. Le Seigneur l'a déjà écrit. Tu as quelqu'un au pas. Parce que cette année est ton année. Tu le verras, ça portera cher. Tu le verras, ça va s'accomplir. Si trois fois avec toi, c'est fait pour moi. Amen. Voici Benefa. Acclame très fort Dieu. Tu es abondamment béni. Tu es béni abondamment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.